Alors les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Moonshade. Et aujourd'hui, on va tenter de vaincre le boss. Alors on y est, et comme vous le voyez, j'ai deux sorts. Le sort silence au maximum. Et le sort dissipation magique. Pour qu'il ne puisse pas régénérer sa vie et qu'il se calme au niveau des sorts. Allez, c'est parti. Allez, dernier coup. Parfait. Alors les amis, on est de retour car on a un second ennemi à affronter. Bien plus balèze, on dirait. Un molosse infernal géant. Ok, parfait. Et du coup, on a enfin réussi du coup à vaincre ce chevalier obscur. Et voyez, j'ai le plan. Ok, ça paraît être un grand donjon également. Bon, on reprend. Parfait. Ok, ça c'est parfait. Parfait. Ok. C'est bizarre. À moins que... Ah, voilà. Faut cliquer sur ce mur en fait. Il y a quelque chose ici. Donc c'est en haut à gauche. Voilà, un autre levier. Et... Peut-être en haut à droite, non? Faut vraiment cliquer partout sur le mur et sur un coup de chance, bah voilà, vous l'avez. Et voilà. Alors je vais remettre le plan par contre. Voilà. Super. Un labyrinthe. Les amis, je suis vraiment débile là par contre. En fait. Bon, peut-être pas aussi loin, mais.
Voilà. Et en fait, on récupère la pierre. Et ça nous permet de passer. Alors. À moins qu'il suffit tout simplement. On va récupérer la pierre. Voilà. Et là, on active le levier. Là, c'est pareil. Ok. Bon, là, il nous faut remettre une pierre, du coup. Voilà. Et là, on continue. Des portes. Ok. Non, y a. Ok. Ça mène à une salle. Allez, on continue notre expédition. Encore des boules de feu. Ça change pas. Ok. Bah t'as pas fait un long feu. Ok. Tu viens de mourir comme un con. Alors les amis. Ok, c'est en bas à droite. Du coup. On reprend. Voilà. Forcément. On va y aller. Vas-y, on n'en a rien à foutre. Voilà. Est-ce qu'il nous reste... Ok, donc on va faire ça. Et en même temps, j'ai le sort de détection. Ok. 30 gemmes, c'est pas mal. On est reparti. On se dépêche, voilà. Allez. Ok. Parfait. Ben on va continuer. J'ai peur. Ok, pas de monstre. Bah, il n'y a rien. Ah, vous ressentez quelque chose? Ok, bah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Parfait. Ok, ça a ouvert cette porte. Allez, il devrait bien y avoir des salles secrètes là. Ah voilà. Ok, c'est parfait. Ok, oh bah j'ai appuyé direct. Ah, un bracelet légendaire, ok. On n'a rien encore là. Ok. J'aime pas. Si on reprend. Et on reprend. Ok. super. Tête en face. Non, à droite. Je déteste ça, les amis. À gauche. Perdu. À droite, voilà. Et normalement, ok, en bas à droite, du coup. Et à nouveau 30 gemmes, les amis, 30 gemmes. C'est bon pour la santé. Ok. Là, à nouveau, c'est pareil.
On va tout droit, voilà. Ok, là, on active ça. Et ça nous ouvre normalement la dernière salle. Ouais, c'est ça, la dernière salle. Alors les amis, on reprend. On reprend. Allez, on utilise ce sort. Normalement. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Toujours, il y a quelque chose en pilier. Même pas. Pourquoi vous êtes que généreux sur les ennemis et pas sur autre chose? Bon, on va reprendre. Ben, il n'y a rien là. Et un squelette mort. Même un peu. Ok, on ressent quelque chose. Bouclier. Une clé. Ok, vous ressentez quelque chose. 30 gemmes. Décidément, on va devenir riche, les amis. 30 gemmes encore! Mais les amis. Les amis, c'est. C'est indécent, voyons. C'est indécent. Alors, les amis, on est de retour à Targaron. Ou Targaron. Et à côté de la maison du magicien, bah, on a cette grille. Et on va pouvoir utiliser la clé. Voilà. Qu'abrite donc ce portail? Eh bien, vous aurez la réponse la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. A plus. Et n'oubliez pas. Pompon. Pompon.